Sa carrière l'a emmené sur différents terrains, Formule 1, football, rugby, etc., dans différentes rédactions, mais son nom prend aujourd'hui de plus en plus de place dans le journalisme sportif. La présentatrice Laurie Delhostal, 42 ans, est une femme battante, qui avance et surmonte les obstacles sur son chemin. Mais ces derniers mois, c'est un gros obstacle qui s'est présenté à elle, un cancer du sein, contre lequel elle se bat depuis le diagnostic. Maman d'une petite fille de 7 ans, la jeune femme n'a pas baissé les bras et en plaisante même parfois sur Twitter. Un moyen de dédramatiser les choses pour elle, qui fait également du bien aux autres, comme elle l'a récemment confié à nos confrères de Pure Média. Je suis plutôt de nature assez pudique. Point. Si est-ce le fait d'en avoir parlé avec des gens qui n'avaient pas parlé qui m'a convaincu d'en parler, a-t-elle expliqué. C'était plus simple de clarifier les choses. J'ai l'impression qu'en parler a fait du bien à plein de gens. C'était étrange. Si cela peut rendre le sujet du cancer moins tabou, tant mieux. Pour moi, cela n'est pas tabou et il n'y a pas de raison que cela le soit.